Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'épisode 7 de Destiny Challenge. Anemone et Iowa, c'est fini. Le couple s'est séparé, le divorce a été prononcé. Anemone est de nouveau seule, vivant avec ses deux enfants, avec ses multiples jobs, et elle va devoir retrouver l'amour. Parce que c'est comme ça que le destin s'est lancé au début de la partie. Je vous rappelle qu'on doit refaire un enfant avec un père célibataire. Ce père célibataire, je l'ai déjà créé. Je vais essayer de le croiser aujourd'hui. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la vie d'Anemone. Et on retrouve notre petite famille dans la banlieue de Brightchester où la vie est belle, calme, enfin belle, voire, mais surtout calme, avec quelques petits canards. Ah bah ça y est, on est en automne, dis donc, j'avais pas capté encore. Oh oh, et c'est bientôt l'anniversaire d'Anemone. Comment ça, c'est bientôt l'anniversaire d'Anemone? Oh oui, dans 2 jours. Oh, catastrophe. Alors que notre petit bleuet se réveille déjà. Bleuet est devenu un enfant la dernière fois, la semaine dernière. Et moi, qu'on puisse dire, c'est que s'il est plutôt beau gosse, ce petit gars. J'ai hâte de le voir en plus grand. Et notre Anemone se lève déjà en étant enjôleuse. Elle ne travaille pas aujourd'hui, donc ça, c'est bien. Elle va pouvoir aussi s'occuper de ses petits bouts de choux. Et peut-être, peut-être les emmener au parc. Et au parc, on pourra donner des cours de méditation. Eh oui. Hein ? Non ! Non ! Non ! Non, 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 mon Dieu. Ah, ça crame! Appelle les pompiers, appelle les pompiers. Appelle les pompiers, le feu est une source de... oui, bah... Casse-toi, Bleuet, mais... Allez. Anemone, bouge ton cul, appelle les pompiers, je sais pas ce qu'ils te font. Bah oui, voilà, bah écoute, tu sais pas faire à manger, c'est catastrophique quand même, hein. Oh là 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 là, notre cuisine. Allez, sors de là, les pompiers arrivent, ils vont venir nous sauver. Oh, la petite tête, fuuu, quel enfer. Ok, ça y est, c'est fini, c'est bon. Bah oui, c'est ça, du con, ça vient de cramer, t'es bête ou bien quoi? Bon, ça va, on a de la thune, hein, pour se racheter les meubles, mais... Voilà, 310 simflouz, bah dis donc. Ah bah oui, c'est vrai que c'est son trait maladroit qui a fait que elle a foutu le feu. Eh bah on n'est pas sorti d'auberge, vous avez bouffé des salades de fruits et des salades tout court, hein. Mais... Papa, tu faisais quoi? Mais il était là? Mais depuis combien de temps? Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Bleuet, je t'aimais beaucoup comme garçon, mais là, ça va pas du tout. Parce que ton père n'est pas là, que c'est la porte ouverte à faire des conneries. Moi, je te le dis tout de suite. Alléluia, les sims sont tellement lents. Il est 15h, elle fout enfin sa fille dans le bain. La fille, elle a eu le temps de macérer dans sa crasse. C'est horrible, c'est dégueulasse. Ok, la petite est propre. Eh ben, go, on va au parc. Et nous voilà encore au parc Pink Promenade. Ben, vous allez peut-être vous balader. Vous allez venir là ensemble. Voilà, c'est déjà pas mal. Ah bah, il y a encore le club de cosplay qui s'est donné rendez-vous. Pendant que beaucoup de monde prend place pour le cours. Il est quand même quasiment 19h. Ouais, ils ont pas pris beaucoup de temps quand... Enfin, ils ont pris beaucoup de temps justement pour faire des choses et tout, mais... Il y a Laura qui est là. C'est cool. Elle va pouvoir papoter après avec. Et puis... Il y a lui aussi. Antonin. Pas mal. Pendant ce temps-là, notre cher pirate Bleuet se fait peut-être des amis. Hein, parce qu'il y avait... Bah, il y en a moins, mais il y avait quelques gamins. Ah si! Et la petite sœur, elle est trop mignonne. 560 boules. Quel plaisir. On va parler du temps nuageux et tu vas faire connaissance avec lui. Ouais. Oh, et casse-toi de là, toi. Il n'est pas pour toi. Je sais pas pourquoi, il y a toutes les meufs là, enfin le garçon aussi, ils se sont regroupés là. C'est un peu chelou. Sentiment obtenu, ça me fait plaisir que tu trouves... Mais attendez, vous vous connaissez à peine, quoi. Et donc... Que ça a l'air de matcher, hein. Ben, je sais pas où il est parti, le mec. Parce que là, c'est un autre gars qui joue. Déjà, où sont nos enfants? Ah oui. Ah, mais il est là! Oh, cool. Attends, on l'a pas paumé. Anemone, va lui parler. Va lui complimenter. Comme il a un beau. Il a un beau jogging. Et tu vas lui donner quelques astuces. Ah, il t'aime pas? Bah, depuis quand? Tu vas lui demander s'il est célibataire, surtout. Ce serait bien. Hein, hein, il est pas mal, qu'est-ce que vous en dites? De toute façon, vous avez pas le choix. C'est lui et ce sera pas un autre. Il est célibataire. Il est célibataire. La 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 la. Bon allez, il s'en va, il fait nuit. Et puis 22h30, on embarque les gosses et on rentre. On est rentré. D'accord. Elle est partie dehors faire son yoga. Peu froid quand même, hein. Mais je pense que le petit Antonin, elle lui plaît bien. Bon allez, la petite, elle est rassasiée maintenant. Tu vas pouvoir aller la coucher. Tu vas pouvoir lire une histoire à Camélia. Parce que là, il est tard.
tard. Il est presque 1h du matin. La gamine ne dort pas. Un petit bisou à son petit garçon. Petit chaton, quoi. Et elle-même, elle va aller au dodo. Bonne nuit, Anémone. Demain, c'est une nouvelle journée. Demain, c'est une nouvelle semaine. Oh oh oh, les cours commencent dans 1 heure. Et il sera en pleine forme. Sa première journée d'école. Oui. Elle est déjà en forme. Et ça va bien parce qu'elle en a besoin. Un joli petit look automnal, ma petite Anémone. Ça te va bien, ces couleurs. En ce temps-là, les factures sont tombées. 687 simflouzes. Ça va, on les a. Et notre jolie Anémone est rencontrée. Parce que je vois qu'il a rencontré Lisa. Elle a reçu une augmentation. Yes, 10 simflouzes d'augmentation, soit un total de 68 simflouzes par heure. Qu'est-ce que tu veux, Iowa? Je crois que je craque pour Aliénor. Mais tu fais ce que tu veux, mon gars. On n'en a plus ensemble. Ah, putain, il s'est plus vite remis sur pattes qu'Anémone. Non, mais c'est quoi ce délire? Ah là là, quelle honte. Allez, tu vas regarder un petit peu la télé, tu vas te détendre. Envoie un petit SMS à Antonin, peut-être que... Ah, Bleu est rentré de l'école. Juste satisfaisant. Il rentrait avec un projet scolaire et il rencontrait Samuel. Ok, bah projet scolaire it is alors. Pendant ce temps-là, elle fait un petit peu de yoga. On verra quand elle rentrera du taf si Antonin veut bien boire un verre. Je sais pas, comme ça. Non mais maman qui veut faire un bébé, encore. Non. Faut arrêter maman maintenant. Oh là là. Bon, bah ça va être l'heure du taf. Tu vas t'arrêter 30 secondes. Wow, 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 wow. Ah oui, j'allais dire. Ah putain, elle y arrive en plus. Hein. Et vous arrivez à faire ça dans le chat? Vous faites du yoga un peu? Enfin, moi, c'est un truc qui m'aurait intéressé, mais je suis pas du tout souple en fait. Et puis je suis trop grosse pour essayer. J'ai eu mal au poignet pendant une semaine. Voilà. Il va être 20h, il a toujours pas fini son truc lui. En général, je les laisse rarement tout seul à faire. Mais... Bon là, il a et sa maman qui allait partir et sa petite sœur qui est trop petite. Donc oui, et une augmentation pour... Oh, elle a reçu 1136, mais elle gère trop. Allez, viens aider ton fils pour le projet. Et après, on verra si Antonin veut sortir. Bah, elle a même pas eu le temps de se poser qu'il a réussi son truc. C'est bien, c'est très très bien. Très bien mon fils. Bravo Bleu. Et puis maman va sortir. Oh, nous voilà. Oh meuf, j'avoue il pleut mais change-toi en fait. Change-toi, mets-toi une petite tenue un peu plus sympa. Voilà. Hein. Avec Antonin et puis il pleut donc on va vite rentrer dans le bar parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Alors Antonin, dis-nous tout. Ah mais... Discutons un petit peu. Bah oui, rasseyez-vous, oui, ce sera mieux pour discuter. Raconter des ragots, tout ça. Raconter une histoire délicieuse. En tout cas, il lui plaît. Savoir s'ils vont bien s'entendre. C'est quoi, on va tenter de draguer? Ils ont l'air de s'entendre quand même un petit peu, hein. Oh oh. Oh oh. Ça a l'air de marcher, tout ça. Il est déjà 22h, wesh. Ça passe beaucoup trop vite dans ce jeu. Allez, tu vas l'enlacer. On va commencer à y aller un peu plus franco du collier, quoi. Comme on dit dans le jargon, hein. Mais oui, ça marche, hein. Ça marche, ça marche. Tu veux un plan fou? Le plan fou, tu veux l'entendre, mon plan fou? Tu vas voir, mon plan fou. C'est que vous vous mettez en couple. Vous fassiez des petites folies. C'est swell. Puis un petit bébou aussi dans l'histoire. Bah oui. Ce serait sympa. Merde, elle a fait une bourde. Qu'est-ce que t'as fait? Et voilà! Oh, purée de pommes de terre! Non! Ouais, non, mais là, elle a fait une bourdasse, hein. Oh non, mais qu'est-ce que t'as fait, meuf? Fais, faut te rattraper, là. Alors, ça va mieux ou pas? Illumine sa journée. Faut que t'apprennes à le connaître, hein. Il va pas être facile à choper, celui-là. Déjà minuit? Mais quel enfer. L'amitié est pas hyper remontée, hein. Ça, c'est chiant, par contre. J'avais tenté encore un move, mais ça remonte pas tant que ça, hein. Allez, je vais tenter d'embrasser les mains, et tant pis. Oh! Ça match? Ça match? Et il accepte la rose. Oh là 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 là, ça c'est bon ça. On va te complimenter. Oh oui, 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 oui. Alors on va en profiter. On va en profiter les enfants. On va en profiter. Il est romantique en plus comme... Bah comme elle, hein? Je sais plus. Premier baiser. Premier baiser, c'est parti. Ça y est, la machine est lancée. Oui! Quelle rapidité, mon Anémone. Quelle rapidité, tu as réussi. Oh, il te kiffe. Ça y est. Oh là là, c'est l'amour. On s'en fiche. Qu'est-ce que t'as, toi? T'as pas envie qu'Anémone se fasse plaisir? Bah, on s'en fout, c'est ton problème. Ah bah oui, bah ça y est. Un petit coup dans le placard, c'est d'une rapidité. Bah, je fais ça exprès, hein. Bien sûr, j'espère que vous comprenez. Allez, hop, dans le placard. Ça devient sexy. Ah, les mecs, ils sont contents, hein. Ils font les choquer, après ils font... Bah, dis donc, elle est bouillante, celle-là, hein. Ah, ça aurait dû être moi, hein. Eh ben non, c'est pas vous. Regardez-moi tous ces spectateurs, là. Ils en peuvent plus, là. C'est le film porno en direct, ici. Faut dire que ça se passe pas bien là-dedans. Allô, Anémone? Ah, Antonin, c'est un petit coquin, hein.
Et on revient à la maison, tu vas te prendre une douche, tu vas manger également. Comment vont les enfants? Sacrée soirée, ma belle, hein? Aïe, aïe, aïe. Un petit coup comme ça, là, ça fait du bien par où ça passe. Ah, bah, elle est partie direct se coucher. J'ai même pas eu le temps de la voir manger. Je sais pas ce que j'ai foutu. Par contre, Bleuet, bah, Bleuet va faire le rangement, magnifique. Et ma petite biche, bah, la petite biche, elle va aller jouer, hein. Et puis, bah, après, elle ira au lit. Oh! Oh! Et lui, il faut qu'il aille en cours. J'ai loupé tout là. Merde, il est 9h, il va se faire démonter par le directeur. Oh là là! Oh! Antonin! Bah bien sûr, Antonin! Mais... attends, elle est déjà partie? Antonin était là? Ah oui, il était là! Oh merde. Oh bah merde alors. Il est rentré à infraction comme ça dans la maison. Bon. Ah oui, bah elle est plus meilleure amie avec Iowa, ça c'est sûr, hein, Jean-Claude. Bah je crois qu'Antonin se sent bien chez lui, hein. Il squatte. Bon après, s'il attend Anémone, finit à 13h. Si tu veux rester 2 heures de plus, tu peux. Ah, si tu peux payer les factures aussi, ce serait sympa. Non mais vraiment, il a vraiment décidé de squatter ici. C'est très bien, moi ça me va. Non! Il s'en va pile quand elle revient! Mais pourquoi j'ai viré la chaise? Pourquoi les chaises elles bougent maintenant en mode gameplay? Ça va pas du tout. Il s'en va! Non! Parler de mariage. Oh là! Wow, attends 2 minutes. Ah bah elle est là! Elle est revenue, j'ai même pas vu. Mais si! Mais si! Essayez de faire un bébé à la douche. Oh, et attends, et oh, 2 minutes, non? Quand même! Discuter, je sais pas, parle avec lui. Pas de mariage, s'il te plaît, tu vas le faire peur. Ah, complimenter la tenue. Oh, regarde, il t'a vu, il fait oh là là, ce qu'elle est sexy, même en tenue de supermarché. Et pourquoi pas, après tout? Non, mais il est chaud comme la braise, en fait, hein. Voilà, hein. Ah, finalement, Iowa n'a pas été avec. Fait son rencard. Tant mieux. Et sinon, ça te dit qu'on devienne petits amis? Oh, trop bien! Allez, un petit bisou là. Un petit bisou et petits amis. C'est rapide hein, chez eux. Hein. Tiens, tiens, tiens! Mais Anémone est tellement fertile qu'elle est déjà tombée enceinte d'Antonin. Oui. Ah bah, le petit coup dans le placard, à votre avis, c'était quoi? Elle est trop fertile, cette fille! Bah non, mais c'est fait exprès pour qu'on puisse avoir pas trop de différence de naissance avec les autres enfants, même si... Ouais, bah, de toute façon, ils s'aiment à fond, j'ai envie de dire. Hein. Donc, c'est pas mal. Eh ben, écoutez, vous allez fêter ça là-haut. Hein, bien comme il faut, bien au chaud, bien détendu dans un bon lit bien douillet. Alors que Chaton Bleu rentre visiblement énervé de l'école. Oh, pas mal, Antonin. Allez, c'est parti. Ah oui, il va peut-être falloir bouger ces amoureux-là, qui ne le sont plus. Bon, bah, Antonin... Bienvenue dans la famille. Hein. Bon, Camélia, Bleuet, vous allez être tout seul. Vous allez partager la grande nouvelle. On va leur annoncer qu'ils vont avoir un petit frère, une petite soeur. Et oui, et pas avec papa. Et non, avec un autre. Maman est une coquine. Alors, il est content? Je sais pas. Mais il a l'air content. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mec, c'est. T'es boulimique, Anémone? Boulimique, Anémone, tu es boulimique, au secours, va bosser. Oh my god, il y a un problème, si la troisième grossesse ne désirons pas du tout, normalement. Oh la vache, elle est buggée, elle est buggée. Elle est où? Je suis dans les murs. Elle est buggée. Bon bah faisons connaissance avec le nouvel amant de maman. et le beau-père quoi. Ah bah ça va, la petite, elle a pas l'air d'en avoir peur. Ouais, c'est cool. Mais Anémone, tu es buggée. Aïe aïe aïe, va bosser, my goodness. Ah, et puis tout a pourri, super. Alors que maman rentre également, bon, elle a pas faim, maman. Par contre, maman, Anémone, Anémone, ça va plus. Anémone, elle est en roue libre. Tu vas rappeler Antonin et puis vous allez habiter ensemble, hein, parce que bah, c'est rapide. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Antonin, allez, hop. Il est là, il est déjà là. Oh, mon chéri, mon amour. On va pas t'inviter à rester dormir, on veut carrément que tu viennes vivre ici. Voilà, viens vivre à la maison. Voilà. C'est un oui, il accepte. Et bien sûr, comme convenu, il a un enfant, Alexandre, son fils, avec qui bah, il va emménager, hein. Tout simplement. Et voilà, Alexandre est le fils donc de ce petit d'Antonin, que Antonin a eu une précédente relation. Ah bah, Anémone aussi finalement. Hein, donc c'est une famille recomposée. Ils vont faire connaissance, les garçons, la petite fille, tout ça. Et puis le futur petit bébou. Ça fait une jolie grande famille. Boss, attendez, attendez. Oui, embrasse-la. T'as raison. Fais quoi? Ah,
mais il est déjà dans la carrière criminelle, c'est génial. Vas-y, va bosser. On va emménager ce qu'il faut pour ton fils et toi. T'inquiète. Allez, bref. On a fait quelques petites améliorations dans la maison avec une grande table et pas mal de chaises. Bah oui, parce qu'on commence à être pas mal dans cette maison. Et puis également une chambre aménagée pour Alexandre, le fils d'Antonin. Pour l'instant, bon bah, un là. Après, quand Camille va grandir, elle va se greffer à l'une des deux chambres. Je vous laisse deviner laquelle. Enfin, on verra. Alors qu'Antonin est déjà parti au boulot, hein, il est, bien sûr, je l'avais déjà mis dans la carrière criminelle. Voilà, il est revenu avec 63 simflouz. C'est pas terrible, c'est un début. Regardez comme ils sont beaux, ces deux petits garçons, bien sages. Oh, Camélia, niveau 5, GG. Par contre, c'est vrai que ces cadres, bon... Surtout celui-là, à la limite, celui-là, on peut le garder quelque part. C'est quand même... voilà, mais lui... voilà. Les cours vont commencer pour les garçons. Pipi, manger. C'est Anémone de se lever. Elle va travailler dans une heure. Ma petite, voilà, prépare-toi. Bah, elle est en forme. Bon, Alexandre n'a pas l'air de vouloir aller à l'école. Ça ne va pas du tout. Va à l'école, chaton. Va à l'école, en fait. Tu vas te faire engueuler. Il veut pas. Anémone va travailler, belle comme le jour. Antonin vient de se lever. Lui, il est tout excité. Elle clignote déjà. Donc, ce qui est beau, c'est qu'on va pouvoir lui fêter son anniversaire. Oh, c'est dégueulasse ici, dis donc. Il va falloir remédier à ça. Hein. Elle a encore eu une promotion. Elle a eu 10 simflouz de plus. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière-grand-mère, grand-petit-cousin est décédé. Et vous a curieusement légué une énorme fortune. Acceptez-vous cet héritage? J'adore l'argent. Donnez-moi tout de suite. Sous quelles conditions? Non, merci. Sous quelles conditions? Oh, 2005! Bonne question. Eh bien, il n'y avait pas de conditions. Trop bien. 2500. Discuter un petit peu avec son beau-fils, parce que bon, faut lui partager aussi le fait qu'il va être grand frère. Et oui, parce que papa, 5 minutes après avoir connu belle-maman, eh ben ils ont fait un gosse, comme ça. Dis donc, le bidou, il a poussé, là. Anémone, elle fait des petits sandwichs pour l'anniversaire de la petite âme Camélia qui va arriver. Donc, on va inviter des gens. Bleu est rentré des cours, c'est une bonne nouvelle. Et toi, t'étais buggé. Ah bah ça y est, bah tu peux faire tes devoirs. C'est une bonne nouvelle également. Et on est parti pour faire la fête. Pour l'anniversaire de Camélia. Les gens vont arriver. Par contre, tu peux te changer parce que c'est juste pas terrible. Voilà. Et toi, ton petit truc d'automne. Oh, Adonis, comment ça va? Il est énervé. Salut Adonis, merci pour la poubelle. C'était cool. Oh, Yowa, il a fait un câlin à sa fille. Ben oui, on est invité à Yowa. Et Yowa tire la gueule, il se dit, attends, c'est qui ce mec là? Elle serait pas... Oui, si. Finalement, on a tourné la page plus vite qu'on pensait. Ah mince, ils vont commencer le taf. Oh là là. Tu vas prendre un jour de congé. Et puis toi, bon bah tu viens de commencer, en vrai, t'iras bosser. Ouais. Voilà, ça chante, c'est la fête. Oh, comment tu vas, Yowa? Non, mais c'est vrai que j'ai trouvé... voilà, mon coup d'un soir, c'est un peu comme toi, quoi. Enfin, tu connais Anémone, quoi. Oh, le nouveau? Bah oui, j'ai déjà un clock. C'est fou, hein. Aidez à souffler les bougies à Camélia, la petite biche. Et puis, bah ouais, bah tu vas aller au boulot, hein, mon petit. Travaille bien et chope une promotion, Antonin. Allez, happy birthday, Camélia! Petite bichette, trop mignonne. Et donc... on a déjà le troisième dans le chemin, là, enfin dans le four, quoi, je veux dire. Ah là là, ça va vite. Bon, c'est cool que Yowa soit venu, quoi. Bon, relations sont ce qu'elles sont. Camélia vieillit, son aspiration sera celle-là, voilà. Et 1, et 2, et 3, aventureuse. Ah bah dis donc. Oh la dégaine. Bon, bah elle aime le rose, hein. Elle est trop belle. Elle va ressembler à sa maman. Au niveau du nez et tout, je crois. Ah ouais, elle va être trop mignonne. Par contre, voilà. Il y a des choses à revoir, surtout pour Chapal, quoi. Oh oh, une vieille dame vient dérafler les nouvelles chaussures de travail d'Antonin. Oh là là, saloperie de vieille, ça doit être sûrement Agnès sa dentelle. Hein. Ces chaussures sont en faux crocodile de la meilleure qualité. Doit-il donner une bonne leçon à la vieille dame ou laisser tomber? Il va parler à la vieille dame. Oh, j'ai pas eu le temps de lire, mais il a récolté 50 boules, allez. C'est dommage, le papa de Neyman n'est même pas venu. Ah ben, il est là. Non mais il est temps quand même, ça fait... 3 heures qu'on t'a invité. L'événement, il est presque fini, papy. Oh là là. Alors, les invités s'en vont. Papy vient d'arriver, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai pas vu, Anémone est partie se coucher. Bon, finalement, j'ai fait le changement des chambres. Ça aurait été très rapide aussi. Les deux garçons dans celle-ci et la petite Camélia dans celle-là. Yes! Antonin a une promotion.
Bon, il est qu'au niveau 2, hein, donc on a encore le time. Ça fait bizarre, n'empêche, de voir 5 personnes et 3 enfants du même âge, dont un qui n'est pas le nôtre. Mais bon, il est mignon quand même. Déjà debout, Alexandre. Et attends, j'ai mis le même pyjama aux deux enfants. Oups. Elle est trop mignonne, Camélia. Je l'ai pas encore relookée, mais elle a quand même une jolie petite bouille. Elle a un joli petit bidou quand même, hein. Troisième trimestre, 7h, que ça grandit tout doucement. Allez les gamins, vous êtes en retard à l'école. Toi aussi, Alexandre. C'est parti. Ah, ça va faire des vacances tout ça. Bon, Antonin, tu vas pouvoir te lever. Tu t'occupes de la maison, hein, parce que toi, tu bosses que ce soir. À ce soir, mes chéris. Bon, Anémone, ne reste pas coincée dans le mur. Ayoa, qui sait plus avec qui se mettre. Je connais pas. Allez, vas-y, fais-toi une amie, c'est bien. C'est mignon quand même, Rochester. Hein. C'est mignon, mais alors, c'est vide. Y a pas de gens, quoi. Bon, on a trouvé notre petite victime pour faire la malice pendant qu'on se fait rouler dessus par tout le quartier. Anémone est rentrée du boulot. Bichette, va aux toilettes et va te divertir en vrai parce que ça va être dur pour toi là. Tiens, tu te fais un nouveau pote? Bah ok, tu peux l'inviter à entrer, ouais. Quand je la vois comme ça, il y a un truc que j'ai oublié de faire. Enfin, que j'ai pas oublié. Son aspiration. Il faut qu'elle lise pour un enfant pendant 2 heures au total, donc. Bah voilà, les enfants sont de retour. Quel plaisir. Ils ont l'air ravis, les gosses, de cette histoire. La tronche qu'ils font. Ah, mais ils s'ennuient. Ils ont une sale journée à l'école. Oh là là. Allez, on a changé de livre. J'ai mis pour les trois. Je sais pas où est le troisième. Oh, regardez-moi ça. Et... trois petits brins, franchement, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux, hein. Je voulais pas montrer à Alexandre, mais... il est pas trop dégueulasse non plus, hein. Et on est à 1 heure sur 2 pour l'aspiration. Ah, Antonin devra déjà aller bosser. Trop sage, mes enfants. Ils ont fait leur devoir et maintenant, ils mangent en regardant la télé, tranquille, quoi. Ah, ma belle, bah oui. Ton homme, il part, toi, tu rentres. Vous vous retrouverez cette nuit. Oula, voilà, j'ai relooké la petite Camélia. Je vais garder cette petite coupe de cheveux parce que je me suis habituée. Je me dis que ça va très bien à une petite fille de son genre. Voilà, elle est trop mignonne. Ayoa? Ouais, tu viens stalker? C'est flippant, en fait. Non, mais tes enfants dorment et tout le monde dort, donc il est tard. Ciao. Tout le monde essaie de conclure des affaires dans ce parc. Ce sac en papier derrière la poubelle n'est donc probablement pas rempli de sandwichs. C'est peut-être un piège, cela dit. Antonin peut voler le sac, ou le laisser là. Oh, ben, laisse-le là. Alors, même les petits délinquants, une éthique, Antonin décide de mieux garder ses compétences en arrachage de sac pour les portefeuilles prometteurs, les porte-monnaies les plus sophistiqués. Et qui sait? Oh, et c'est déjà l'anniversaire d'Alexandre? Il va déjà devenir ado? Ah oui, mais ça va vite, ces machins. Et hop, 91 simflouz de la part d'Antonin. Tout le monde dort, et ta femme t'attend. Ouh là là! Elle est pas en forme, Anémone. Allez, va vite aux toilettes. 4h30 du matin. Eh oui, hein. Accouchement dans... oh là là, c'est pour aujourd'hui. Oh, OMG. J'ai pas vu le temps venir, moi. Oula. Un concert qui se lève tous en même temps, là. Bébé is coming. Oh, j'ai pas mis le couffin ni rien, là. Oh là là. Ah oui, d'accord. Lui, il est tendu du cul parce qu'il a pas de jeu vidéo. Ah, elle va commencer déjà dans 1 heure le boulot. Oh non. Oh là là, heureusement qu'on a des sous, je te le dis. Vendredi 8h, je pense que ça y est, les enfants... pourquoi les enfants ne partent pas? Pourquoi ils y vont pas naturellement? Alexandre, c'est le petit rebelle de la famille, lui, je le sens. Oh, il est mignon, Antonin, il s'est levé exprès pour prendre son petit-déj en compagnie de sa douce. Et pour pouvoir un peu la voir, parce que sinon, ils vont pas beaucoup se voir. Enfin, si, mais début d'après-midi, quoi. Ah non, mec! T'as les poils qui ont poussé dans le dos, c'est dégueu, t'en avais pas. Oh, oh bah tu, je te dis, tu vas te raser direct les poils du dos. Oh, elle est revenue du taf déjà. Allez, va faire un bisou à ton mec. Bah, ils ont un peu de temps devant eux d'ailleurs. Regardez-moi la coquine là. C'est les envies de fin de grossesse, hein, pour faire venir bébé plus vite. Je sais plus à quelle heure, hein, j'avoue que là, j'ai zappé. Mais tout est prêt pour l'accueillir, ce petit chou. Séance photo là. Des petits amoureux, parce que quand même, faudra garder une trace de tout ça. Allez, et si on allait étudier la douche, voir si ton gros bidou rentre encore? Bah oui, ouais, ça risque d'être compliqué à 3 là-dedans. Hein. Ouais. Heureusement que le troisième, c'est un petit, hein. Un tout petit petit. Bande de coquinous. Bon, qui sont moignons tout plein. Tiens, bout, je te fais peur. Bon, j'avoue qu'elle aimait pas ça quand Ayoa lui a faisait. Hein. Je vous rappelle que ça a été le début des emmerdes. Parce qu'Anémone, elle adore se mettre en couple avec des mecs qui travaillent dans la pègre. Côté bad boy, tout ça, quoi. Oh merde! Je voulais lui faire des pâtisseries. Et en fait, elle va accoucher.
Oh là 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 là, this is time, oh là 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 là, c'est maintenant. Ah ça y est, aïe aïe aïe. Ah oui, ça y est, le bébou va arriver. Oh, le troisième et dernier de cette génération. Et la révélation de ce troisième bébou d'Anémone, c'est un garçon. Et merde. Bah et merde parce que j'ai pas de prénom en fait. Ouais écoutez, ce sera Doronique, parce que vous avez remarqué que je faisais en ordre alphabétique et avec des noms de fleurs. Et c'est Doronique, c'est des petites fleurs jaunes. Voilà, c'est bizarre comme prénom, on connaît pas. Mais ça y est, et en espérant qu'il soit tout seul. Hein. Oh putain. Mais sérieux, ils ont eu des jumeaux. Mais comment je choisis moi? Oh non. Oh non, ça c'est horrible. Ce sera Daphné. C'est pas vrai. Et puis ils en ont eu deux quoi. Oh là là. Mais non, parce qu'en fait c'est l'enfer. Parce que dans les règles, quand on a une naissance multiple, quand il est demandé qu'un seul, il faut s'en séparer d'un. C'est horrible. Je pensais pas que j'allais y être confrontée. Oh my god. Non. C'est affreux. Je sais pas comment faire. Mais bon. L'un des deux enfants ira chez Adonis, tiens. Chez tonton. Bon, je vais quand même les nourrir, hein, histoire d'eux. Et puis, bah, on va faire un tirage au sort. Hein. Voilà, je sais pas comment faire, mais oui, je peux pas garder les deux. C'est comme ça, c'est comme ça dans les règles. Le choix, c'est pas moi qui vais le faire, c'est la roue. Alors, on va tourner la roue. Et le bébé qui sera sélectionné ira chez tonton. Allez, c'est parti. Oh my god, je veux pas savoir. Je veux pas voir. On aura quand même 4... Oh, quand même. Qui va aller chez tonton. Oh my god. Mais non, mais j'ai cru que ça allait être Daphné, mais c'est Doronique. Donc on va garder Daphné avec nous. Daphné est éligible en tant qu'héritière, quoi. Mais pas Doronique. Doronique est éliminée. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Croyez-moi, c'est horrible. Pendant ce temps-là, les grands, ils sont en train de dire... Ouais, c'est quoi ça? On a des petits frères sœurs là. Je pensais qu'il y en avait qu'un et là on a plusieurs là. C'est quoi ce délire? En gros, il y en a un qui est colère. L'autre il est content, l'autre elle est triste. N'importe quoi. Bon bah, Doronique, c'était sympa, mais tu vas devoir partir. C'est comme ça qu'on dit au revoir à notre fils. Doronique, tu vas aller avec tonton. T'inquiète, tonton, il est sympa. Et peut-être qu'il apprendra à draguer des nanas parce que là il est toujours célibataire. Il vit à Sanmichuno et il va élever notre enfant. C'est affreux en fait. Oh! Je fais vraiment des règles dégueulasses. Hein. Allez, on va lui donner un petit 2000 simflouz histoire de... Hein? Bon, allez. Bah on reverra Doronique, mais il sera pas éligible, quoi. Pendant qu'il est... Oh, bah ça, il s'entend pas du tout, là. Il essaie de le calmer, hein. Il essaie de calmer son fils en disant, mais attends, mais... Mais bien sûr, tu savais... Oui, bah papa, t'as dit qu'il n'y en aurait qu'un. Oui, bah... Il y en a qu'un. On en a gardé qu'un sur les deux. Et attends, meuf, tu devais bosser, là? Ah oui. Merde, t'es en retard. Oh bah, dit, t'as accouché, hein. Ça va aussi, il peut être compréhensif à ton taf, non? Elle a fait des brownies pour les enfants. Ils sont quand même contents. Et hop là, c'est parti pour aller nager. Ils sont mignons, mes gosses. C'est bon, Bleuet? Ils sont bons, les brownies? La petite Camélia, elle appelle son papa, elle dit, c'est pas juste, je suis plus la dernière, la petite préférée de la famille. Et en plus, ils sont venus à deux. C'est vraiment infâme. Bon bah, la petite Daphné pleure, on va arriver avec papa, hein, parce que bah... Il n'y a que lui qui est là, voilà. Ça te met au boulot un petit peu, Antonin. Eh oui. Anémone est rentrée, plus belle que jamais. Tu vas t'occuper de toi, ma jolie. Ah, bah il a pas eu le temps de finir ses autres... Oui, j'avais oublié. Eh ben, Anémone, t'es bonne pour reprendre le flambeau avec une couche sale. Allez, avec ta petite fille. Encore une petite lecture pour les trois. Eh bien, elle s'en occupe bien. C'est mignon, tout ça. Ils écoutent bien et tout, hein. Oh yes! Sur le quai du train, en cherchant des victimes prometteuses pour leur faire les poches, Antonin repère une actrice très connue. Apparemment, son garde du corps est avec elle. Cela vaut-il la peine d'essayer de lui voler son portefeuille? Ou c'est peut-être une cible trop difficile? Vas-y, tente. Eh ben, elle a réussi 50 balles. Ça n'était pas non plus très riche. Mais elle a validé sa première étape d'aspiration! Donc c'est parfait. Et la petite Daphné? Papa n'est pas prêt de rentrer, donc c'est à toi de t'en occuper, ma belle. Et oui, pendant que j'essayais de mettre des photos, un peu les photos des parents de Daphné, hein. Donc Antonin et Anémone. Puis bon, il va falloir quand même penser à virer les photos. Puis même, il y en a encore une là. Il y avait beaucoup de photos, Ekayo, hein. Et il a eu une autre promotion, Antonin.
Chef de réseau! Bravo Antonin! Bah écoute, récompense, tu peux manger un bout de brownie et tu peux aller aux toilettes. Je peux te dire qu'en récompense, c'est bien. Daphné, elle a senti le truc venir, elle a dit: Papa, il s'en va! Attends, je vais crier pile au moment où il commence à monter les escaliers. Et alors que Antonin va se coucher, rejoindre sa belle anémone. J'espère que cet épisode vous aura plu, que la nouvelle petite famille vous plaît également, et que la suite des aventures vous plaît également. Et voilà pour cet épisode, toutes les cases sont cochées au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau du destin. Attendez, non, il reste encore le yoga, le bien-être au niveau 10. Et bien c'est là-dessus qu'il nous restera à travailler pour la suite de cette génération. Tous les enfants sont nés, même un de trop, l'horreur. Et on se retrouve bien sûr la prochaine fois pour la suite des aventures d'Anémone, de ses enfants et de sa petite famille recomposée. En attendant, je vous fais des bisous. Le mot de la fin, ce sera pomme, pour le mettre dans vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!